Monsieur le Président, bonjour, reste là. Un petit interview pour Trial Vidéo, donc ça passera sur Internet demain. Alors, quelles sont vos impressions? C'est le combattième salon de la moto de Landlo, c'est le deuxième, troisième? Non, non, pas du tout. C'est le 15e salon de la moto, donc du quad et de l'accessoire. Et voilà, ça se passe en toute convivialité, comme tous les ans. D'accord. Alors, et donc on va promouvoir un petit peu le trial donc, qu'il va y avoir à Andlo. Donc c'est à quelle date de nouveau? Alors, ça sera le dimanche 18 avril à Andlo. On aura donc notre troisième trial UFOLEP, donc qui comptera pour la Coupe du Grand Est. Donc on espère qu'il y aura du monde. D'accord. Et donc il y a combien d'inscrits à ce jour? À ce jour, nous avons quand même la joie de cinquantaine d'inscrits déjà, d'annoncer bonne cinquantaine d'inscrits. Parce que le trialiste, c'est quand même, c'est quelqu'un de fidèle. Et donc il revient toujours. Il revient toujours et il s'inscrit surtout 6 mois avant. Ça c'est génial parce qu'on n'a pas ça avec les enduristes qui eux bien évidemment s'inscrivent 3 jours après. Aux dernières minutes. Voilà. Tu vois. Et puis donc c'est quand même relativement délicat d'organiser ça. C'est-à-dire qu'il faut avancer les sous, je pense. Et puis donc c'est quand même une sécurité de sentir qu'on a quelques inscriptions un petit peu avant. Oui, c'est formidable. Ce qui est le cas avec les trialistes. Surtout que dans le Bas-Rhin, nous avons quand même, je vous le signale, un plan de sécurité qui n'est pas le même que dans le Haut-Rhin, ni dans les autres départements, et où à peu près la somme totale des trialistes participants ne contribue pas à payer l'ambulance et le médecin. Ah d'accord, ouais. Donc en fin de compte, le motoclub d'Andlo perd des sous à organiser le trial d'Andlo. Nous perdons des sous, mais nous espérons en gagner un peu avec le salon. Avec le salon, et puis voilà, et puis peut-être aussi sur le trial, s'il y a des participants, s'il fait beau, la vente de saucisses merguez un petit peu et tout. Oui, ça. Oui, forcément, si les trialistes accepteront de manger d'autres merguez que les leurs, oui. On va pas trop les critiquer, j'en fais partie. On c'est rigole. C'est ce que tu m'as forcé à dire. Bah écoute, bah c'est génial, merci de m'avoir invité. Philippe, et puis bah, on te connaît, et puis je connais ton humour et on est content que tu sois là. Ah bah, et on est content que tu seras là également pour filmer la 3e édition du Trial d'Andlo qui sera magnifique.